Yesu na ye e pa ina yo na inga moko te Motona me mi e pa ina yo Mote me lingi ye Na ye bi azana ba faiblesse Qui me fait mal au cœur C'est parfois insupportable Qui fait mal à la tête A Christ même le Saint-Esprit Mais na pouti e pa ina ye Quelque chose de bien qui m'attire tellement. Na sengyo sala yengolu, bisika banda ki kokwea. E koma point fort na ye, mote me lingi ye. Ye oyo, o lingo ndanga ye oyo. Na lota kyango na ndoto, lo sambo e futi pe ngayo. Ye oyo. Kobombe sili ye oyo Hata bambonge ye oyo e Elamba yango yango Je te jure Mais je t'en là ça Toi aussi Voilà c'est mon jour aujourd'hui okay. Par la grâce de Dieu nous avons été bénis de pouvoir arriver jusqu'à ce jour Et je remercie le Seigneur parce que c'est un merveilleux témoignage pour moi aujourd'hui de m'exprimer et dire à quel point Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Et j'en dirai encore d'autres par sa grâce. Parce que le 8 juin, il avait vu depuis. Et le 8 juin, ça sera le commencement pour plein de belles choses pour ma vie. Je le crois au nom de Jésus. À tous les mariés, que Dieu vous bénisse. Olingo, Eumela, Eumela, Nalibala, Oyo, Olingo, Eumela, Eumela, Nalibala, Oyo, il n'est pas bon. Que l'homme soit seul sur la terre. Nangonzambe atindi mama oyo mwe. Po abamba nanu mabula motema ya papa oyo. Tika bolingo ngo e umela na sena mwe. Mokote azala makoki akobebisa oyo nzamba bongisi. Mokote aloba non bisika nzambe alobi oui. Mokote aloba bisika nzambe alobi Mokote aloba to bisika nzambe alobi eowa bisika nzambe sandimi tika mokile ni mango pe olingo we umela na libala oyo 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 bolingo ngo
présence que j'aime. Oh, que j'aime ta présence que j'aime. Ta présence que j'aime. Oh, que j'aime ta présence que j'aime. Tu as pu me changer. Merci Jésus. Tu as pu me changer. Tu as pu me toucher. Oh, me toucher. Tu as pu me qu'il y a des places. Rapprochez-vous, vous êtes tous très éloignés. En tous les cas, bienvenue à la mairie de Lomé-sur-Seine. Donc, je suis adjointe au maire, chargée du retour mariage. Donc, je m'appelle Jocelyne Bach, je suis chargée de l'environnement du cadre de vie de la commune de Lomé-sur-Seine. Et je représente M. Vernin, notre maire, qui ne peut pas être là à tous les mariages. Donc, on le remplace un petit peu et c'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie que je vous accueille en cette mairie. Voilà, donc pour commencer cette cérémonie, je vais déjà dire les noms des futurs mariés. Donc on va célébrer le mariage de Mademoiselle Dembo Omba, j'espère que j'ai bien prononcé, et de Monsieur Louis Omba Bianchello Choro. Il a été déclaré que vous n'avez pas fait de déclaration. De contrat de mariage. Vous allez pouvoir vous asseoir parce que j'ai quelques articles à vous lire concernant le mariage parce que c'est un engagement. Là aujourd'hui vous allez vous engager normalement pour la vie. C'est pas un engagement, je dis oh, je reste 3 mois puis je m'en vais. Donc il faut honorer ce mariage avec tout plein de droits mais aussi de devoirs. On a tous des droits mais des devoirs tant pour monsieur que pour madame. Donc c'est ce que les articles vont essayer de vous rappeler. Et puis après, on verra si vous êtes toujours d'accord pour vous marier, dire le oui nécessaire pour confirmer le tout. C'est votre petite fille ? Non ? Oui ? Ben, elle est très belle. Oh là là, elle est presque plus belle que la mariée. Alors tu as bien écouté, c'est le mariage de tes parents, de papa et de maman, tu sais ce que c'est ? Oui ? T'es d'accord toi ? Oui.
Elle a dit oui. Elle a dit oui. Alors donc, on peut commencer? Oui. Bon, avant, on va dire des choses que tu vas peut-être pas comprendre, mais papa et maman vont bien comprendre. Et ça peut permettre aussi de faire une révision pour les autres parents, hein, parce que quelquefois, on oublie un peu les droits, les devoirs que l'on a l'un pour l'autre, mais aussi vis-à-vis des enfants, parce qu'il y a un article qui comprend, qui est vraiment fait pour les enfants, donc c'est important. Voilà, alors je vais commencer par lire le premier article, je ne les connais pas par cœur malgré tout. Donc l'article 212 est ainsi conçu. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Ça, c'est important quand même. Hein. L'article 213, les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Et justement, voilà le fameux article qui concerne les enfants, l'article 371.1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, parce que quelquefois ça peut arriver, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. On peut demander à l'enfant aussi s'il est d'accord hein, pour telle ou telle orientation, pour des activités, enfin, des choses comme ça. Voilà pour les enfants. L'article 214, qui est aussi très important, parce que ça concerne les moyens financiers pour mener à bien la vie matérielle de la famille. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives, suivant les moyens de chacun. Mais il faut mettre tout ensemble pour pouvoir les besoins d'enfants, de la famille et toutes ces choses-là. Et enfin, le dernier article, comme le premier, pour moi, c'est vraiment très important, et c'est ce que je vous souhaite en tous les cas, l'article 215, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie, et j'espère que pour vous, elle sera toujours. Alors voilà, ça c'est fait. Le côté un petit peu hein, administratif, on arrive au moment important, voilà, on peut encore changer d'avis, on laisse les portes ouvertes exprès d'ailleurs, un des deux veut s'échapper, non mais je plaisante, alors, mademoiselle, approchez-moi un petit peu, mademoiselle Dambo Onda, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Lumba Yankelo Chogo, ici présent. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Ouais. Alors, Monsieur Lumba Yankelo Chogo, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Dambo Omba, ici présente? Oui, je le veux. De la loi, je déclare Mademoiselle Dambo Omba et Monsieur Lumba Yankelo Chogo unis par le mariage. Enfin. Bon. Alors maintenant. Enfin. Alors, maintenant, je vais faire travailler les témoins. Je vais faire travailler un peu les témoins qui soient venus pour quelque chose. Voilà, alors je vais lire un document hein, pour que vous me confirmiez que tout était exact. Les dates de naissance, profession, des choses comme ça. Donc, le nom de l'époux, hein, Yankelo Chogo, Lumba, né le 3 mai 1981 à Boma, en République démocratique du Congo. Préparateur de commande, domicilié au 257 avenue de la Gare, à Lévis-sur-Seine, donc en Seine-et-Marne. Madame l'épouse, Dambo Omba. Oh, c'est pas le prénom. Non, il n'y a pas de prénom. Il n'y a pas de prénom. Ah, c'est Dambo Omba. Oui. D'accord. On vous appelle comment alors? Omba. Omba. Omba, c'est joli. Né le 24 avril 1989 à Kinshasa, au Zaïre.
agent de service hospitalier, domicilié au 257 avenue de la Gare à Neuilly-sur-Seine, en Seine-et-Marne. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Témoin majeur, M. Roger Ndongo Diami, c'est ça ? Oui. Voilà. Et M. Titi Chiamala Kadima, Stéphanie Canivez, c'est bon ? Voilà. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux. Et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. Lecture faite et invité à lire l'acte, les époux et les témoins ont signé avec nous, encore on va le faire, hein, Jocelyne Bach, adjoint au maire de Neuilly-sur-Seine, officier d'état civil. Voilà. Est-ce que les témoins sont d'accord avec ce que nous avons déclaré ? D'accord. D'accord. Donc on peut passer aux signatures. Ce temps que vous n'avez pas signé, vous n'êtes pas encore là. Bien précisé quand même. Alors, on va demander d'abord aux époux de passer de ce côté-là, comme ça pour les photos, ça peut être plus sympathique. Alors, peut-être faire place pour la robe. Alors, madame l'épouse, est-ce que vous allez signer l'acte ? Oui. Et là, honneur aux dames. Tony, soulève la tête, Florence. Monsieur l'époux, ici et ici. La tête. Il va péter le là, c'est là. Ensuite, les témoins. S'il vous plaît, madame. Ici, il faut laisser de la place pour ces messieurs. Messieurs. Oui, soit là, soit là. Puis la sur tête. Cette également. C'est le net du jour. L'autre témoin. La tête est là. Vous avez des alliances échangées ? Alors, on va peut-être retourner par là, ça sera mieux. Voilà. Attends, il faut peut-être faire la photo peut-être pour montrer qu'elle a la boîte. Montre la boîte. Voilà. Parce que là, on ne voit pas. Tu fais comme ça, regarde. Tu prends la boîte, tu la mets comme ça, allez, comme ça, tu la regardes pas, toi, tu vas regarder le photographe. Voilà, et tu montres les alliances. Voilà, c'est bien. Impeccable. Voilà. Petite reine. Voilà, donc. Non, c'est monsieur qui commence. Voilà. On présente son droit. Monsieur remet l'alliance. Voilà.
Ah, madame va commander dans le couple, c'est bon. Quand ça résiste. Mon attache par elle, oui. De l'amour que j'ai pour elle, j'ai l'aime bien, serré la pour elle, toujours à jamais. Voilà. Bravo. 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 Tu reprends la boîte. Allez, à madame maintenant. On peut dire ça maintenant. Je te donne cette alliance en signe de mon amour et de mon engagement oui. jusqu'à ce que l'amour nous sépare. Oui. Ouais. Oui. Moi-même et de ma collègue Bachira, tous mes vœux d'honneur, bien évidemment. Pour moi, s'aimer, c'est aller dans la même direction. Mais il y a une chose que je tiens à dire aussi, c'est que regardez-vous. N'oubliez pas de vous regarder l'un et l'autre. Parce que quelquefois, les aléas de la vie font qu'on s'occupe des enfants et tout ça. Et on s'oublie l'un et l'autre. Alors, ayez des moments à vous. C'est important pour être heureux, je pense. Un mariage pluvieux est un mariage béni. Heureux, oui. béni, on peut dire ça aussi, oui. c'est ce que je souhaite. Voilà, et puis je souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, et plein d'autres choses à venir. Je vous remets des documents importants. Oui. Il y a votre fille à mettre. Oui, c'est le bail, quoi. Et voilà, donc beaucoup de bonheur, très beaucoup bonne. De joie. Ouais. Merci. Et merci beaucoup. Ne vous oubliez pas l'un et l'autre. Bonne soirée à tous. Merci. Voilà. Merci. Je vais faire quelques photos, vous pouvez. Voilà. Maso asali kati na kumwananga Yesu Nandi makite baninga Nandi makite bampasi na nga e utaki na kutumba Na eba kite minyoko na nga e utaki na libota Il va bientôt C'est ces petites larmes de joie D'abord le sourire C'est dans la joie aujourd'hui. Donc il faut l'exprimer à ton cher photographe. Très content. Je marque même du monde. Ça va venir. Je sais pas comment exprimer ma joie. Il faut les crier sur les toits. Il faut les chanter. Il faut louer Dieu. Alors, moi, j'ai pas réalisé quand vous avez montré les bébés.
C'est Virginie voilà. Alléluia. Alléluia.
En attendant, suivre Jésus, je ne retourne pas. Je ne retourne pas. Je ne retourne pas. Je ne retourne pas. Mais j'ai décidé de suivre Jésus. Je ne retourne pas.
vous souhaite beaucoup de bonheur, que vous soyez bénis, que vous ayez une vie très riche d'amour. Nous sentons plein de bonheur, plein de bénédictions, que votre foyer soit dans la joie, et que Dieu vous entoure chaque jour, et que vous soyez heureux, dans la grâce de Dieu. Alors moi, bien entendu, c'est la première fois que je vous rencontre. Je vous ai trouvé vraiment sympathique, et j'ai bien aimé ces couleurs, ces belles couleurs qui rappellent l'été, même s'il est froid. Mais on voit qu'il y a de la chaleur dans votre mariage. C'est que Dieu bénisse vraiment votre couple, votre mariage, et que main dans la main, vous puissiez continuer tous les deux avec votre famille, mais surtout restant unis avec celui qui est votre guide, Jésus-Christ. Dieu vous bénisse, Anthony et Florence, c'est Marie. Oui, donc bonjour, c'est le pasteur Lamarche. On a eu le privilège aujourd'hui d'amener nos deux tourtereaux ici, Florence et frère Anthony, à l'union, donc à s'engager dans les liens du mariage. Et je crois que la bataille a duré 3 ans, mais la victoire était là aujourd'hui. Et donc nous remercions le Seigneur pour l'assistance de l'Esprit, et qu'il puisse aller de l'avant et grandir dans la parole et être rempli du Saint-Esprit et élever leurs enfants dans la foi, et si le Seigneur tarde, au moins qu'ils grandissent aussi dans la parole. Et si nous sommes dans la joie aujourd'hui d'avoir été ensemble dans cet instant de mariage civil, et contents de les voir bientôt dans le mariage religieux, parce que nous voulons les marier sous le regard de Dieu. Aujourd'hui, nous l'avons fait sous le regard des hommes, sous le regard de la famille, sous le regard des amis, mais sous le regard de Dieu, ça devient éternel. Et ça ne passera pas. Et donc, c'est ce privilège que nous avons aujourd'hui d'avoir commencé ce chemin-là. Parce que aussi, on ne pouvait pas les marier religieusement avant qu'ils soient mariés civilement. C'est comme ça que les choses se font. Ainsi que Dieu les bénisse, et que Dieu bénisse ceux qui auront part encore à cette vidéo et à ce petit temps que nous avons eu dans la fraternité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, Stéphanie, la témoin de Florence. Donc la journée a été super. Mon petit couple, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Soyez heureux, avancez, croyez en vous, continuez votre aventure. Et puis vous avez tout mon soutien et celui-là d'Éden. On vous aime fort et on se voit très vite pour fêter de nouvelles aventures ensemble. Voilà, bisous, bisous. Comme tu sais, on est très content d'avoir assisté ou participé de près ou de loin à ton mariage. Très content pour l'événement. Enfin, ouf, on a longtemps attendu, et nous vous souhaitons, moi et Stéphanie, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur et de succès. Que les portes s'ouvrent encore et encore et encore. Merci beaucoup pour cette invitation et à bientôt peut-être pour notre tour. Bonsoir, voilà, je suis la mariée de ce jour, donc du 8 juin 2019. Et j'ai vraiment la joie de vous annoncer que je suis une femme très heureuse par la grâce de Dieu. Je remercie Dieu pour toutes ses merveilles et toutes ses bontés dans ma vie. Et encore, je souhaite à toutes les personnes qui sont dans l'attente, toutes les célibataires, tout le monde en fait qui en attend ça, de l'avoir, mais toujours mettre sa vie et toutes ces choses qu'on veut devant Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bonsoir, je suis M. Giancello Anthony. Je suis très heureux de ce jour-ci. Je rends grâce à Dieu pour l'occasion qu'il nous a donnée de pouvoir concrétiser notre rêve. C'est qu'on a vraiment beaucoup souffert pour être là aujourd'hui. Dieu a pu le mettre et concrétiser pour nous. C'est cela, nous rendons grâce à Dieu pour tout. Et vraiment, j'ai tant souffert pour avoir cette femme. La reine de mon cœur, que j'appelle ma pêche. J'ai vraiment souffert pour l'avoir, mais grâce à Dieu, jusqu'à ce que Dieu a fait la grâce, je puisse vraiment me rendre compte qu'elle était vraiment la chair de ma chair. Donc je suis vraiment content, et la journée s'est bien passée,
Et je remercie tout le monde, les gens qui nous ont soutenus par des parts et d'autres. Vraiment, que l'honneur et la gloire soient rendus à Jésus. Merci à tous.